Bonjour Mtevissa, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va. On va dire ça. Je vous reviens. Je viens dans un nouveau vlog. On est le mardi 7 juin. Si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus quoi. Et je vous ai pas repris hier parce que si vous savez, hier c'était férié. Du coup, j'ai mis une grosse partie des photos du week-end. Qu'on était à la gameplay. Voilà, du coup j'ai mis une grosse partie des photos. J'ai mis la deuxième grosse partie des photos aujourd'hui. Que j'ai répondu à quelques petits messages. J'ai essayé d'identifier le plus. J'ai pas encore identifié tout le monde sur les photos, mais voilà, j'ai fait une grosse partie. Mais là, il est midi et j'en ai un peu marre et j'ai mon nez tout rouge. Vous voyez? Voilà. Sur ce, c'est pas ça que je revenais, mais en fait j'ai déjà fait ça. Ça fait du bien d'arrêter le PC parce que je n'en peux plus. Là, la lumière, elle me fait mal aux yeux, mais je l'ai ouvert pour vous, pour que vous ayez de la clarté. Et du coup, je voulais vous parler enfin, d'une chose déjà que j'ai fini. J'ai fini touche, je sais plus. Girl, le premier nom, je sais jamais. C'est Publishing, si je dis pas de bêtises. Et c'est elle, c'est S. L. Broskowski. J'aime beaucoup ce livre, les couleurs sont magnifiques, même l'arrière, tout est bien. Voilà, tout se relie quoi. Voilà, je l'ai terminé dimanche. Non, lundi. Lundi. À la base, je vais le terminer dimanche. Mais comme j'étais en convention, vous le savez, j'ai pas pu dimanche le terminer. Samedi. J'avais lu la partie de samedi, vendredi. Du coup, j'étais à l'avance sur samedi, mais pas dimanche. Et au début, je pensais que quand je rentrais samedi, lire la partie de dimanche. Mais j'étais tellement fatiguée, tellement. Mais là encore, que j'ai encore mal mes jambes. J'ai des douleurs dans les jambes. Mais je sais même pas où les douleurs viennent. Parce que voilà. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. On va suivre allez-y. Je sais plus les noms, enfin, soit. On va suivre une fille. En fait, c'est un groupe de filles qui font du patin. C'est un peu un genre de concours. Et celle qu'on suit, c'est la plus rapide. Et on va suivre le mec qui est basketteur. Voilà. Et dans une soirée de fête de l'école, ils vont avoir une relation sexuelle tous les deux. Et lui va être un petit peu accro à elle d'avoir fait juste la première fois. Et elle ne veut rien du tout, veut pas d'attachement. Parce que voilà, elle ne veut pas du tout ça. Et parce qu'elle est pas. Elle veut d'abord faire ses études. Et puis il y a d'autres choses qu'il fait aussi. Voilà. Et lui va être un peu la personne où on va détester un petit peu parce qu'il va. Chercher des indices sur elle, il va faire plein de choses de recherche, lui, il va la suivre, il va un petit peu le mec qu'on veut pas avoir dans notre vie, vous voyez. Même si ce mec est très gentil, qui est adorable, moi je l'aime beaucoup ce mec, mais ça peut pas passer pour tout le monde parce qu'il est vraiment courir à son cul, on va dire. Voilà, tout le temps, et c'est pas parce que beaucoup de filles n'aiment pas ça, voilà, là, ils aiment bien. Mais il va chercher des informations sur elle, plein de choses. Et c'est vrai que cette partie-là, elle était un peu. Moi, je l'ai pas trop ressenti comme ça. Mais ça peut passer comme ça. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup à aimer. Je lui ai mis un 5 sur 5. Enfin, 5 étoiles sur 5. Le tome 2 est en commande. Je le reçois demain, logiquement, si tout se passe bien. Du coup, j'ouvrirai avec vous le colis. Je l'ai commandé. Je pense dimanche. J'ai commandé dimanche et je l'aurai mercredi. Je suis trop impatiente. Le seul truc que ça m'emmerde, c'est qu'il m'ouvre toujours la même page. Voilà. Il a été déformé à cette page-là et ça m'embête. Voilà. Mais en part ça, je pense que je vais mettre du poids dessus. Ça va peut-être lui faire du bien. J'ai adoré suivre ces personnages, cette intrigue. Apprendre un petit peu sur le roller. Même si pour moi, on n'en parle pas assez dans ce roman. On en parle, mais pas trop comme j'aurais bien voulu avoir.
Mais à part ça, j'aime beaucoup. Voilà pour ce point-là. J'ai un truc, hein, c'est une mouche. J'ai un truc qui vient de me passer devant, je me suis dit. Et du coup, je vais essayer de terminer celui-ci. Ça fait un perpète que je suis dessus. Je l'ai presque fini. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Voilà. J'aimerais bien le terminer. Je suis à 288 pages. Il fait 300... 370, même pas 370. Ouais, 350. Ouais, 60 pages. 360 60 pages. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui et je pense que je vais faire ça maintenant. Je vais lire un petit peu. Voilà, il me reste pas des masses à faire. Et après, je vais continuer un palais d'épines et de roses aussi. C'est le but de cette semaine. Je pense pas l'avoir fini aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Mais commencer déjà. Enfin. Le commencer. Enfin, j'ai déjà commencé. Il faut que je continue. Voilà, déjà, le continuer, ce sera bien. Peut-être finir pour mercredi prochain, ce serait le top. Je l'ai pas avec moi, il est par là. Parce que c'est le top. C'est de finir celui-là d'abord. Bon, il me reste pas des masses. Mais je pense, je sais pas, je vais lire la fin et je vais voir, mais pour le moment je suis pas trop dans le mood de le garder en fait. Voilà, on va suivre deux personnages, lui je sais jamais son nom, elle non plus. Moi les noms, c'est deux. On va suivre deux personnes, tous les deux un problème de famille. Voilà, voilà. Non. C'est pas dans celui-là. Je vais pas me tromper avec l'autre, c'est ça le problème. Non, la fille, on va suivre la fille qui est une fille qui se drogue les durs, les poudres et tout ce qu'elle peut prendre, elle prend. Et pourtant, elle va tomber amoureuse de Ethan. C'est ça, Ethan. Ethan. Mais Ethan, il en prend de temps en temps. Pas souvent. Il n'est pas en manque comme elle. Et du coup, voilà, et il s'aime bien, il l'aime bien, il skippe pas depuis un moment. Et puis s'il va lui faire un petit une petite liste qu'elle doit signer, c'est presque la fin, voilà. Pour qu'elle reste avec lui et qu'elle arrête de fumer. Il va l'aider, il va tout faire pour qu'elle arrête. Non, je sais pas. Je vais essayer de lire la fin. Hier, j'avais très envie de l'abandonner. Je lui dis à mon chéri, je vais l'abandonner. Il me dit, allez, t'as vraiment même plus 100 pages. Je crois qu'il y a 100 pages ou un peu moins. Il y a beaucoup moins, je crois, 200 pages. Il me dit non, mais continue, comme ça tu verras. Voilà. Je l'avais pris parce qu'il était un petit prix. Prix mini à 4,99. Voilà. Et comme j'aime bien les collections HarperCollins poche, je l'avais pris. Et voilà. Je trouvais la couverture jolie aussi. Je pensais que ça allait parler un peu plus de moto et tout ça. Parce que je sais pas si vous allez voir, il y a une moto là. Voilà. Oh, excusez-moi. Là là. Voilà. Vous voyez ce que ça fait, une convention. Voilà. Du coup, voilà. Je vais essayer de le terminer et je vous en dirai un peu plus. Voilà. Pour moi, ça a été mitigé. Je saurais même pas vous dire si je vous conseille ou pas. Par contre, celui-là, je vous conseille si vous aimez bien. Problème de famille, problème. Bon, le seul point où je pourrais faire un. Ce problème, c'est que je spoil un peu le livre. Il y a de la violence sur enfant. Voilà. Moi, c'est pour ça que je veux la suite. Je veux savoir comment elle devient. Ce qui s'est passé, je veux savoir. Voilà. Et voilà. Mais je vais terminer ça et je vous tiens au courant. Voilà. Sur cette semaine, terminer ça aujourd'hui et je vais le chercher comme ça vous allez le voir. Me revoilà, je dis je vais continuer celui-là parce que voilà, je suis ici, je suis à 290 pages et j'aimerais bien aussi le terminer. Voilà, pour commencer le tome 2 parce que normalement le tome 2 est dans ma palle 2022 qu'il faut que je le termine, que je le lise. Voilà, mais je suis vraiment en retard dans toutes mes lectures. Voilà, et des lectures qui sont. Celle-là qui n'était pas prévue, mais qui s'est mis dedans, du coup, voilà. Mais le but de cette semaine, c'est finir celui-là et de continuer celui-là. Voilà. Il ne me reste pas non plus beaucoup à le lire. Voilà, j'avais beaucoup aimé. J'avais les hardbacks. Voilà. J'ai le tome 2 en hardback que je lirai. Voilà. Du coup, voilà. Et j'ai oublié, mais que je viens de repérer en cherchant
mon lit, j'ai mes cheveux plein de nœuds. Il faut vraiment que je les lave et que je les démêle correctement. Voilà. Après ça, je voulais vous montrer, mais ça, je l'avais déjà au Meeting Disney. Que non, je vous ai rien fait. J'avais acheté la clé Tigrou parce que moi, je suis fan de Tigrou. Du coup, je voulais la clé absolue de Tigrou. Et ici, c'était Meeting. Enfin, c'était Disney et jeux vidéo. Et je cherchais celle que mon cieux voudrait bien avoir, c'est la Toy Story. Il avait la Toy Story qui voudrait bien. Sauf que au Meeting Disney, on aurait dû la prendre. Elle était à 10 euros. Et ici, au gameplay, elle était à 25 euros. Du coup, je lui ai dit non, moi je la prends pas à ce prix-là. Et il avait une autre qui voulait aussi et que on l'avait pas trouvée au Meeting de Disney. Mais ici, on l'a trouvée. Du coup, c'est celle de Cruella du film. Voilà, je vous montre Cruella. Voilà. Et il y a même le prix dessus si vous voulez voir, 12 euros. Voilà, 12 euros la clé. Et du coup, ben, il se l'est pris. Voilà. Et moi, j'ai acheté autre chose. Là. Quand je les ai vus, c'est une créatrice fait main. Et du coup, j'avais trop envie. Et je vous montrerai après. Du coup, j'ai pris des marque-pages. Fait clochette. Je vous montre, j'en ai plusieurs. Il y a clochette. Il y a Rome. Je ne sais plus son nom, mais je l'aime beaucoup, lui. Voilà. Je l'aime beaucoup. On a repris clochette. J'aime beaucoup celle-là. Elle est un peu pailletée. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir, mais elle est pailletée, celle-ci. Voilà. Après, j'ai pris Toum Toum. Par contre, celle-ci, j'ai un peu peur. Le truc se décolle déjà, là. Mais c'est pas grave. Après, on a pris encore clochette. Là, j'ai un peu du mal avec la fin de la couleur. Et pour le dernier, que je suis amoureuse. Ah, oh, bah, il tient même plus le... C'est Stitch. Et j'ai le fil. Le fil dans ma main. Voilà. C'est pas les trucs qui tient vraiment bien, ce machin-là. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vais vous mettre... Elle est sur Facebook et... Ouais, d'accord, je le ferai plus tard. Je n'arrive pas à le mettre. Elle est sur Facebook et Instagram. Du coup, je vous mets le nom, là. Si je sais, je vous mettrai les liens. Et alors, quand vous achetez... 15 euros d'achat égale un tampon. Et quand vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 achats, vous avez 12 euros offerts. Voilà. Du coup, je la suis sur Insta. Je ne la suis pas sur Facebook. Peut-être que je me la mettrai, peut-être tantôt. Je verrai après. Ça m'ennuie que Stitch n'a pas son... Mais c'est vrai que c'est chiant ces machins-là. Ça tient pas vraiment. Faudrait que je trouve un autre moyen. Voilà quoi. Voilà, je l'ai. Voilà. Voilà pour monsieur Stitch. Du coup, je vous remonte. Celui-là, il va péter. J'ai plein de clochettes. Et voilà pour mes marque-pages. Des nouveaux marque-pages. Trop mignon. J'aime beaucoup les clochettes. Celle-ci un peu moins, mais je la voulais. J'aime beaucoup aussi les Toum Toum. Celle-là est trop belle. Et c'est trop beau. Voilà pour les petits trucs que je voulais vous montrer. Voilà les clés. Je vous ai montré. J'aime beaucoup les clés. Voilà. Hop. Et on laisse bien sûr les étiquettes. Mais c'est vrai que vous voyez pas aussi le château. C'est pas facile de vous les montrer. Mais voilà. Je pense pas les prendre tous, hein, parce que quand je les vois au prix, voilà. C'est juste les deux ou trois qu'on voulait, et puis voilà. Du coup, voilà, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais bouquiner, je pense, en entendant monsieur qui rentre à 3h. Mais il faudra peut-être que je mange aussi, parce qu'il est midi car. Il faudra peut-être que je mange un bout, en regardant peut-être un truc. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous fais des gros bisous, et on se retrouve... demain pour une prochaine vidéo, enfin prochaine vidéo, j'allais dire prochain
je ne sais pas quoi. Allez, au prochain, à la prochaine. À demain. Et voilà, on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Hello, je reviens. On est toujours le 7 juillet. J'ai reçu un colis avant que je mange. Du coup, j'ai dit que j'allais vous le montrer quand même. J'ai reçu le défi de Emily Yay. Chez Hugo, dans la collection Nous Romans. Le serait le pas de sexe. Voilà. C'est un gros pavé. Je ne sais pas combien il fait, mais ils ont très envie de lire. Ah oui, quand même. 683 avec les remerciements. Je vous remercie. Ouais. Vous avez vu, j'ai fermé la fenêtre. Du coup, vous voyez un peu moins. Voilà. Mais il est très beau. Voilà. Il devait arriver demain, mais il arrive aujourd'hui. Du coup, je suis contente. Voilà. Mais là, maintenant, j'ai fini de manger. Je vais continuer mon livre. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. J'ai une petite miss qui veut monter dans le fauteuil. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vais bookimer. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Bonjour mes tulis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 8. Si je dis pas de bêtises, attendez. Je chope ma montre. Oui, on est bien le 8 juin 2022. Et je reviens dans ce vlog pour vous parler de choses, de ça. Et de ça. Du coup, on va en faire quoi en premier? On va ouvrir le colis. Vous n'êtes pas bien mis. Attendez, j'essaye de trouver un autre truc. Vous êtes un peu mieux mis. Du coup, on va ouvrir ça. Il vient tout juste d'arriver. Je sais pas si vous allez voir, mais non. Il est tout mouillé. Encore de tout mouillé. Du coup, on va ouvrir tout de suite. Comme ça, les livres ne vont pas prendre trop de risques. Hop. Les livres, parce qu'il y en a deux. Oh, il est trop beau. Bon, je vous parle de ça. Du coup, j'ai repris le tome de Touch Girl, S.L. Brocosi, chez Plume du Web. Non, c'est Publishing. Je crois que c'est ça, je sais jamais le nom de celui-là. Chérie Publishing, voilà. Oui, il a l'air plus gros que le tome 1. Je sais pas combien il faisait le tome 1. Voilà, du coup j'avais trop envie de me faire le tome 2. Du coup il est dans la palle de l'été. Voilà. Et je vais me le faire. Après, le deuxième livre que je me suis pris, c'est numéro 11, Sarah G. Lossi. Je sais pas comment on dit. Il est trop beau, j'aime bien. De chez Red Love. Voilà. Je vais vous parler de la quatrième de couverture. Celui-là, je vous parle pas de la quatrième de couverture parce que c'est un tome 2 et j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Mais celui-là, je peux bien. Du coup, pour échapper à son passé et de reconquérir. Excusez-moi, parce que voilà pourquoi je. Sonia quitte Lamberg pour intégrer l'université de Larbo City sur le côte Californie. Mais comment continuer à vivre après ce qui s'est passé, surtout après ce qu'elle a fait, quand on rencontre Jordan Wall. Wes, elle est tout de suite sur le défensif. Grand tatoué, soi-disant populaire, il a tout pour plaire. À des terres près, il s'agit d'un basketteur. Et Signia, je sais pas comment ça se dit, si c'est le nom du garçon. Et déteste, c'est la cause du mystérieux dans le genre qu'elle a tout
qu'elle a tout de tout abandonné, mieux vaut rester loin de lui. Parce que un sportif est un sportif. Sauf que, et si sous l'allure de beau gosse se cache quelque chose de plus profond, de plus sombre, il finira. Il ne fallait pas mettre les sportifs dans le même panier. Ah, entre lourds secrets, révélations intergées, université de Barbonne, du Lys. Voilà. Je vous ai lu tout. Il a l'air trop bien. Bon, il n'y a rien au chapitre. Et il fait. Je suis trop contente. Cinq, 400, 406. 406 pages. Oh, j'ai envie de me le faire. Trop bien. Voilà pour les deux réceptions à 2 jours. Voilà. Les deux que j'ai envie de lire. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous parler, j'ai terminé hier soir celle-ci. Du coup, voilà. Je n'ai même pas encore noté. Il faudrait que je le remette sur Livradit et tout ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est une histoire assez. Il y a plein de choses en fait. Il faut vraiment se concentrer et j'ai eu du mal. Voilà. Après, vous savez, il y a un truc qui s'est passé dans ma famille. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal. Vous allez suivre deux personnages. Ethan et elle, je ne sais jamais son nom. La fille, voilà, on va dire. Le garçon, c'est un basketteur qui va, enfin, un petit peu sauver cette jeune femme qui a. Enfin, ils ont tous les deux. Des lourds secrets de famille. Il subit des. Je peux pas tout vous dire, mais il y a de la violence dans ce livre. Voilà. Il y a de la violence. On apprend plein de choses sur leur famille, leurs secrets. Elle, pour se protéger, elle se drogue. Il y a la drogue qui est dans ce livre et aussi dedans. Il y a plein de choses. C'est un livre dur à lire quand même. Même si la fin a été vite lue. Voilà. Mais j'ai lu quand même 88 pages hier soir. Ouais. Parce que j'avais dit que j'allais lire la journée et je ne l'ai pas lu. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai toujours pas mis de notes. Même dans ma tête comme ça, j'ai pas de. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi mettre comme note. Là, maintenant, je lui mettrais un 3. 3 étoiles sur 5. Mais j'y pense, je mettrais plus 2. Vous voyez, si je réfléchis. Bon, il y a. Non. Je pense que je mettrais 3 étoiles quand même sur 5. Il y a des bonnes choses à savoir. Que voilà. On peut s'en sortir. Ça, c'est sûr. Qu'avec l'amour. Bon, pas toujours de la bonne personne. Mais on peut s'en sortir quand on le veut. Mais c'est quand on le veut, voilà. Et il y a plein de choses. Il y a voilà, il y a l'histoire de ses copains aussi. Il y a une histoire de, enfin pas bagarre de, je peux pas tout vous rappeler, mais vous dire. Mais voilà, il va y avoir plein de choses qui va se passer. C'est un peu un mélange d'une vie entière avec des problèmes à résoudre. Voilà, et grâce à Ethan, il va résoudre tous les problèmes en un clin d'œil. C'est ça un petit peu qui me. Enfin, pas en un clin d'œil, mais avec plus de temps comme il faut. Mais ce roman n'est pas long non plus, du coup, ça, il faut aller vite. C'est ça le petit truc qui est peut-être un gênant pour moi, c'est que ça a été trop vite, je pense. Franchement, j'ai du mal. Voilà. Mais c'était une bonne lecture. Voilà, je peux pas trop vous en dire, mais voilà pour ça. Et aujourd'hui, je vais reprendre ma lecture qui a été commencée depuis Perpète à un palais d'épines et de roses. Je suis à 290, je sais pas bouger. Et je vais reprendre cette lecture, je ne sais pas quand je vais lire, ce soir certainement. Voilà, j'aimerais bien le terminer, si c'est possible ce week-end. Mais j'ai un doute.
Du coup, je ne sais pas, mais le finir au plus vite, comme ça, je pourrais recommencer une autre lecture. Et j'aurais déjà bien commencé, parce que comme ça m'aurait fait une lecture, parce que celui-là, il était commencé du mois de mai. Celui-là, il est commencé depuis le mois de décembre. Du coup, ça me ferait une lecture complète à rajouter. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour le moment. C'est continuer celui-là. Et j'ai lu le tome 1 de celui-là. Voilà. Et voilà, du coup, ben, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous dire. Il est va être 2 heures et j'ai envie de rien foutre. Voilà. J'ai déjà fait, mais je vais encore faire là. Il faut que j'aille aux toilettes aussi. Voilà. Du coup, voilà, je vais continuer ça. J'ai fait du montage vidéo pour vous. Le vlog est en train de vous de se mettre sur YouTube. Ça fait depuis 9 h qu'il est en route. Il est 2 h. Il est toujours pas fini. Il y a 1 h. Quand à 1 h, à 1 h 15, il restait 1 h 20 pour le programmer sur YouTube. Du coup, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Voilà. Et après, je vous mettrai peut-être la vidéo pour vendredi. Je ne sais pas quelle la mettre. J'ai tourné une vidéo aussi de la pâle de l'été que je mettrai peut-être plus tard. Ça, je vous la mettre peut-être pour le 21. Je sais pas quand ça tombe le 21, mais vous mettre avant ou un petit peu après. Voilà. Je sais pas quand tombe vraiment le 21, mais vous mettre peut-être le vendredi ou le mercredi avant ou après la fête. Sauf que j'aurai une lecture commune qui sera commencée le 20. Jusqu'au 3 novembre, j'espère 2 semaines de lecture là, mais c'est pas grave, hein, voilà. Mais du coup, la pâle, vous l'aurez pas encore vue avant ce vlog, logiquement, mais il y a la pâle qui est prévue, voilà, que j'ai tourné ce matin, le 7, non, le 8 juin. J'ai plus qu'à la monter, elle est toujours dans l'appareil. J'ai plus qu'à la monter, voilà. Et voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Je fais du blabla là. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je dois aller aux toilettes. Je dois ramasser les bêtises de ma fifi. Et après, il faut que je réfléchisse à quoi faire. Il faut que j'abouche. Ça bouge dans la maison. J'en peux plus. Et j'ai fait du diamond painting ce matin parce que je me suis levée très tôt. Et du coup, comme je me suis levée tôt, j'ai fait le diamond painting. En attendant 9 h 30 pour faire quelques trucs, voilà. Et du coup, voilà. Et je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve le plus tard pour ce vlog, la suite de ce vlog. Bisous, bisous. Bonjour, mon petit Lucien, j'espère que vous allez bien. Désolée de ma tête, mais là, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. J'ai juste mangé. Et. Oh, j'aime bien. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, je reviens dans le vlog. On est le 9. 9 juin. Du coup, voilà. Je reviens dans ce vlog. Et hop là. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer mes petits achats du jour. Du coup, je me suis acheté un parfum chez Action. La série. Il sent bon. J'ai retiré le plastique. Il était emballé sous plastique. Mais je viens de le retirer pour le sentir. Il sent vraiment bon. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le format parfum, enfin le flacon. J'aime bien tout ce qui est parfum. Du coup, j'ai acheté ceci aussi. Voilà, je vais tester. C'est un baume ployant. J'aime pas trop. J'ai pris au citron. Voilà, j'aime juste pas trop le packaging. Ça fait un peu cartonné. Il est comme. Voilà. Si je sors de trop. C'est juste un baume pour les lèvres. Y a pas de goût. Ah si, il y a un goût de citron. Du coup, voilà, ça se retrouve comme ça. C'est chez Action, ce truc. Comme ça, je remettrai un dans mon sac parce que j'avais utilisé le mien, mais j'avais un bouton de fièvre. Du coup, je dois le jeter. Après, j'étais chez Primark. J'ai acheté une couverture Willy l'ourson bleu. Je sais pas comment elle est. C'est une grande, c'est une 75 sur 2 mètres 5, 2 mètres 15.
Parce que oui, ourson, le voilà le format. Mais j'aime beaucoup les grands. Parce que j'ai le grand tigrou. C'est genre mon fauteuil et j'aime beaucoup le format parce que je sais bien me mettre. Après, Primark, j'ai acheté ceci. Voilà, c'était le même que Tigrou. Ah, 7. Celui-là, c'est. Du coup, la couverture, c'est 12. Ceci est à 7. Il est trop beau, le château. Château princesse. J'aime beaucoup. Dedans, il est rose. Et vous avez un agenda avec plein de trucs dedans. Voilà. Et de. Une to-do list. Là. Des notes. Ouais. Et après, je sais plus. Là, c'est les notes. Là, c'est check. Je sais pas ce que ça veut dire. Checklist. Ah, checklist. Oh, faut que j'apprends à lire, hein, moi. Après, vous avez le planning. Voilà, vous faites votre planning dedans. Et voilà, c'est tout. Du coup, ça, je crois que je vais photocopier pour en avoir. Madame, monsieur, 600 mètres 2. Et comme ça, j'aurai les checklists pour la semaine. Après, chez Action, j'ai acheté des bonbons que j'ai déjà ouverts, que j'ai mangés. Ils sont super bons. Voilà, ils sont très bons. Voilà, pour moi, vous êtes fort bas. Et si on. Hop, c'est un peu mieux, non? Ouais, un peu mieux. Après, j'ai deux trucs que. Allez, je vous montre. J'ai acheté des petites robes de nuit. Un peu sexy. Voilà, de la dentelle, une en noir et une en rouge. Pour faire plaisir à monsieur. Voilà. Et après, j'ai pris. Je crois que je l'avais abîmé. Le calendrier, le carnet de vacances pour adultes Disney numéro 22, 2022, jeux, tests et quiz Disney de chez Hachette et Rose. Il se présente comme ceci. Du coup, je vous montre un petit peu. Il se trouve comme ceci. Vous voyez, vous faites chaque année, je le prends. Je fais quelques trucs dedans quand je sais. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de. Voilà, je regarderai à ça. Et voilà. Et souvent, je fais des photocopies. Je le scanne. Là, vous avez sur Stitch. Là, j'aimerais bien de voir sur là-haut. Et c'est sur plusieurs Disney. C'est ça qui est chouette. Bah, allez. Je viens de voir. Du coup, si vous voulez, il y a Lucas. Les nouveaux héros, là-haut, Cendrillon, à fond les ballons, en gâteau. Connaître ses classiques, les princesses et la grenouille, les indésirables, les tout petits, la reine des neiges, Saul, les 100 Dalmatiens, Zootopie, dans je sais pas quoi, Ezaka. Pinocchio, la Belle et la Bête, Raya et ses derniers dragons, Cars, Sous l'océan ou la plage, Oliver et compagnie, Lilo et Stitch, Wally, Dumbo, Métamorphe, en tout genre, Rebelle et les solutions. Il y a les solutions à la fin. Voilà. Du coup, là, vous avez Raja. Là, vous voyez plusieurs trucs, il y a plusieurs jeux. C'est pas toujours le même. Voilà, regardez là, c'est pas le même. C'est Lilo et Stitch en plus. Voilà. Encore du Lilo et Stitch. Dumbo. Je l'avais pas dit Dumbo, ça pourtant. Voilà, il y a plusieurs trucs et vous avez les réponses à la fin. Voilà. Après, j'allais. Oh merde. Après, j'étais chez Molière. À la base, je voulais le tome 1, 2, 3. Je crois que c'est le. Jusque 3 ou 4, j'ai trouvé que le tome 1, du coup je me suis pris le tome 1, je vais lire ça. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais on m'a dit qu'il fallait que je lise ça avant de lire Bria, je crois que ça se dit. 2016, c'est un vieux bazar. Du coup, on m'a dit qu'il fallait que je lise cette série avant, je crois que c'est 3 ou 4 tomes qu'il y a, et du coup, on m'a dit de lire cela avant Bria. Du coup, je me dis pourquoi pas lire cela en premier. Voilà. Après, j'ai cherché les deux petits, enfin trois petits nouveaux. J'ai pris
Pile ou face, je vous ai même pas dit c'était qui, de Erika Boyer chez Hugo dans la collection Nous Romances. Ça me tente beaucoup. C'est vous. S'il ne devrait pas exister une seule vérité en ce monde, je saurais quand l'amour de Louise et Laura est évidemment quand. Même lorsqu'ils descendent, ils aiment depuis toujours. Destin à être ensemble, ils forment aujourd'hui un couple heureux et comble par leur famille, leur ami, leur passion, une vie équilibrée à l'idéal parfait. Mais c'est vrai. Mais ce n'est vraiment le cas. On les efface de leur passé douloureux, le tournement du présent et tous ses craintes de l'avenir. Il semble ou non, Laura avait pas leur j'ai du mal là. Par peur de tomber, Louise couve sa fille terrifiée à l'idée de la perte. Le démon en eux, comme celui qui les entoure, sont toujours là et mon ange le briser ce couple. Ce tout pense à positif, à détruire pile dans l'intimité. Face devant l'autre, ils jouent leur existence oubliée par l'amour peut vivre se transformer en haine et que l'un petite brise. Leur joie, château, carte peut s'écrouler. L'amour éternel que déplie les doutes et du temps. Un roman psychologique. J'aime beaucoup la couverture. Elle donne bien dans. Après, elle, j'ai déjà lu un livre d'elle. Noémie Dani, l'un pour l'autre de chez Hugo, la collection Nous Romans en poche, voilà. J'avais déjà lu un autre, je sais plus c'est quoi le titre de l'autrice. Bastien avait pas prévu d'arriver en retard au mariage de sa sœur. Pas plus que de tomber sous le charme de Sam, la meilleure amie de cette dernière, qu'il n'a pas revue depuis des années. Pourtant, entre eux, l'attirance immédiate, puissant, évident. Si le jeune Sterterisnay, je sais pas, je comprends pas, Sopcity est incroyable et invince d'une relation, Sam ne sait plus rire, plus faire confiance entre les petits secrets du passé, un peu trop présent, et devient à deviendra-t-il leur conviction? Et si ce qui semble alors être une bonne preuve de discret liaison devient une relation capable de changer profondément leur vie et leur conscience de l'amour. Quand l'amour bouleverse tout, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Voilà. On verra ce que ça donne, mais tu l'as et j'en ai déjà entendu du bon. Alors voilà. Et le dernier, j'avais un doute de me le prendre parce qu'il n'est pas donné. Il est à 22 euros. Je crois que sur la. Il est plus cher, je crois qu'il est 25 sur Amazon. Du coup, je me suis pris, je me dis tant pis, c'est un toc-toc. Je me dis tant pis. C'est un toc-toc. Les verpertins. Il est trop beau. Chez Big Bang, Margaret Rodexon, l'autrice de Six. Ah oui, elle a écrit ces deux-là. Celui-là, il est dans ma palle, j'ai toujours pas lu. Celui-là, je connais pas. Mais regardez cette beauté. Maintenant, il paraît que c'est un peu terrifiant. Du coup, et là, il est noir. Voilà. Je vous ai pas montré autre chose aussi. Hop, la tranche. Trop beau.
Pour ceux qui ont peur des oiseaux, parce que voilà. Voilà. Je voulais la quatrième de couverture. La mort de la pollen ne repose pas en paix. J'ai un reflet de la fenêtre. Arméniaza, une ancienne pour devenir sa sœur grise, changée en purifié le corps de fusion pour que leur âme puisse s'agagner l'au-delà. Dans le contraire, ils se relèvent sous forme d'esprit vengeur qui n'en prend qu'aux vivants. Le travail de l'ombre qui leur convient parfaitement, Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfiant dans mes mains brûlant et des sons passés brubles. Voilà, je voulais lire que la première partie parce que voilà, j'ai pas trop envie. Voilà l'autrice. Voilà. Et le côté aussi, c'est le même. Et derrière, il n'y a rien. Voilà. Voilà pour les 4. Il m'en manque un. Voilà. Ah, ça sent bon. Ça, j'ai hâte de jouer avec mes amis. Parce que parfois, je le prends et je fais... Alors, dis-moi, nanana. Là, il faut compléter la phrase, je crois. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est les mots, là, qu'il faut remettre. Alors, ça a l'air pas mal. Oh, Saint Damasien! Voilà. Là, il y a des couleurs, mais ça, je sais pas pourquoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Ils sont trop bien, les livres de... vacances pour adultes. Même moi j'écris jamais dedans comme ça n'importe qui peut mais ah, ça sent bon les prendre voilà. Ben voilà pour passer à autre chose j'ai pas lu hier je suis toujours dedans. Je lis quoi j'étais à 90, j'ai lu 4 pages. Voilà. Là j'ai du temps, il est 1h. Je vais me fermer ce rideau et je vais me mettre dedans jusque 3h 3h30 4h voilà. Bon, il y a pas mal à... Je pourrais bien avancer, ce serait le top. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser et je reviens plus tard dans ce vlog. J'ai commandé un livre pour la fête des pères. Parce qu'à la base, j'allais chez Molière. Pas pour moi, enfin si, pour celui-là, mais au début. Pour mon papa, comme c'est la fête des pères ce week-end. Et j'ai voulu prendre le livre qui arrive demain. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu rosé. Du coup, je l'ai commandé parce que je l'aurai pas avant la semaine prochaine si je le commande chez Molière. Fin de semaine prochaine, du coup, je me suis dit que j'allais le prendre sur Amazon et puis voilà. Du coup, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous montrerai le colis de mon papa demain. De toute façon, il regardera pas mes vlogs, du coup, je vous montre. Vous l'avez déjà vu parce que je l'ai pris pour moi et comme ça parle de poker, bah, je me dis je vais lui prendre et comme ça il aura un petit truc pour la fête des pères. Voilà. Et sur ça, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour, petit Lucien. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. Il faut que je regarde combien on est. Le 12 juin. Vite, déjà, 12 juin. Ouh, vous tombez. 12 juin. Et j'ai deux petites choses à vous dire. Du coup, voilà. Je vous ai pas pris vendredi. Parce que j'avais pas. Je n'ai pas grand chose à vous dire du coup, voilà. J'ai quand même avancé dans ma lecture. J'ai ma bouche de chocolat. Enfin, soit. J'ai avancé dans ma lecture. Je suis à 353 pages. J'étais à 290, je pense, quand j'ai commencé. C'est ça, ouais, 290. Je suis au chapitre 32. J'avance. Il me reste plus grand chose à lire. Et pour le moment, j'aime beaucoup. J'aimerais bien terminer vite. Voilà. Je pensais lire samedi. C'est samedi que je vous ai pas pris. Vendredi, j'ai un doute si je vous ai pris ou pas. En fait, je vous ai peut-être pas pris 2 jours en fait. Ni samedi. Hier, je vous ai pas pris, ça c'est sûr. Mais vendredi, je crois pas que je vous ai pris.
Enfin, soit, j'ai lu un petit peu, pas grand-chose, mais voilà, j'aimerais bien continuer et essayer de le terminer pas trop tard. Voilà. Et hier, j'étais en France et du coup, j'étais chez la Fnac. J'avais deux choses qui me plaisaient bien, mais sauf que j'en ai pris qu'une seule. J'avais la Pop Mini. Non, Willy l'ourson en métal. Un métal bleu, j'aime beaucoup. Comme. Je vais vous montrer en fait. Comme lui. Comme ça, mais Winnie l'ourson. Voilà. Mais on l'a pas pris, on a dit qu'on verrait bien. On verra après vers chez nous. Voilà, parce qu'ils sont quand même. Ouh, vous glissez. 15 euros, je crois. Et voilà, ici on peut les avoir pour aussi même prix. Ou préfère 13 euros, ça dépend. Je ne sais pas, on verra bien. Ouf. Si pas, je le prendrai plus tard, c'est pas un souci. Et autre chose que j'ai vu en fait, j'ai un livre ici, mais en fait je n'avais pas vu, je me suis vu. Il y a deux versions, mais il vient de sortir je pense, du livre. Il y en a un qui est en relief, le dessin c'est en relief, et l'autre il n'a pas de relief, c'est une couverture douce. Du coup j'ai pris la couverture douce, voilà. Il est à prix découverte 9,90. Voilà. J'ai pris la cour des ténèbres, voilà, de Victor Dixen. Par contre, je sais pas la maison d'édition. Voilà. Et l'autre, il est à 17 euros. Et du coup, j'ai pris celui-là. Je fais quand même des économies. Il est à 9,90. Du coup, je fais quand même des économies sur l'autre. Voilà, il me tente beaucoup, j'entends beaucoup de bien. Du coup, voilà, ce sera. Je sais pas quand, mais j'ai envie de me le faire. Voilà. Voilà pour la réception. Enfin, l'achat de monsieur m'a offert. Voilà. J'ai que ça à vous parler. Dans ma lecture, ben, j'avance pas trop. J'aimerais bien le finir pas trop vite parce que à partir des 20, j'ai une lecture commune qui commence. Et du coup, j'aimerais bien que j'ai pas d'autres lectures en cours. Voilà. Peut-être en parallèle, il y en aura une. Mais ce sera des petites lectures, je pense. Ce sera peut-être un manga ou quoi. Voilà. Mais voilà, ce sera pas une. Parce que c'est la lettre écarlate de Mac Corbin, le tome 1. Et du coup, voilà. Je voudrais bien. Être dans ma LC et voilà, du coup j'aimerais bien terminer ça et je serai déjà contente quand je l'aurai terminé. Ça fera quand même plus ou moins 3 livres que j'aurai terminé, enfin 2 livres si on compte que celui-là était déjà commencé, que l'autre était déjà commencé aussi. Du coup ça me ferait 2 livres en fait, on va dire ça comme ça, et plus à la TK, ça me fera 3, il m'en manquerait un que je pourrais lire si j'aimerais bien essayer de le finir ici début de semaine. Je pense que je pourrais le terminer début de semaine ou même ce soir. Je sais pas si ce soir je le terminerai, mais si je lis une partie ce soir et une partie demain, je peux le terminer lundi matin et commencer une autre à partir de demain, enfin mardi ou mardi soir, lundi soir, ça dépendra quand je le lis et que je le termine. Et je pourrais commencer une autre. Allez, je veux dire mardi, comme ça on est sûr. Et je serai dans mes 4 livres par mois, ce serait top. Voilà. Et sur ce, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. J'entends juste mes chats qui se battent. Voilà. Du coup, je viens conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vais aller m'occuper des vidéos de la semaine. Monter quelques vidéos avant 2 h parce que je pose j'ai mes amis qui viennent cet après-midi. Du coup voilà, du coup je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.